Oui, ma femme elle-même. Non, regardez. Bon, ouais. Regardez. Ça veut dire. Femme du mari, bon, naïf. Regardez, ok, d'accord. Bon, ok. Mais ça femme, la femme du mari qui y va. En même temps, j'ai du pouvoir avant et tout. Oui. Pouvoir, pas faire aucun travail. Sensibilisation. Non, communication, pouvoir, sensibilisation. Je dis, pas gagné. Je vais aller chercher, pas gagné. Qui veut. Bon, qu'on y a, on a parlé, on a le pire au nom, il faut regarder pour nous, ça dit au cap. Et Gérard Martino, bonsoir. Eh mais gardez pour eux, ça qui arrive au contre combat là. Ou on qui genre des téléphones ici. Est-ce que là? Ouan, gardez pour eux. Oui, on peut faire les yogol. Donc oui. Les deux côtés. Parce que en conclusion, jusqu'à présent, dans la ville de Provincio, mobilisation, sensibilisation, bon côté gouvernement, il manquait. Vraiment manqué. Et monsieur va parler de ça même. Oui, bon, si. Regardez, bah la gueule est n'importe quoi, ça fait plus. Regardez, De Gaulle Kebel là pour regarder pour. Gérard Maximo là. Bonsoir Gary, bonsoir à tous les auditeurs Radio Scoop FM, son plaisir avec nous aujourd'hui. Gérard, nous sommes contents qu'on fasse parler avec nous parce qu'on est un journaliste de renommée internationale et leur parler ou parler avec une telle objectivité, tout le monde va suivre vous parce que nous-mêmes, nous cherchons à comprendre ce qui a passé à travers le pays dans la question référendum. Non. Donc c'est une grande première dans la radio ici, aujourd'hui, sur la question référendum. Non. Dis-nous, ma ville au Cap, ou dans le Nord, nous allons parler question référendum. Non. Est-ce que ce qu'on a parlé? Gary m'a dit trop bien, je non et passe, est-ce qu'on a une bonne question? Ok, d'accord. Est-ce qu'on aime la mienne? Je t'en bien, voilà. Ok. Référendum dans le nord pays, non, mais spécialement dans Ville au Cap, qui vient ça? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'il y a une activité qui a mené? Est-ce que le pouvoir présent? Est-ce qu'il y a un débat qui a fait sur ce référendum dans le nord du pays? Gary, ben maintenant, saluer avant tout, tous les amis auditeurs de Radio Kiskeya, Média Omladen là. Radio Kiskeya avec le journal Le Nouveliste de même que Media Max. Regardez, ou qui dans la radio, salut n'importe qui radio, mais sous ce que vous voulez, pas un problème. Toujours aider, même Jean Gary. Oui, même Jean, pas un problème. On parle Gary. Pourquoi c'est un référendum qui a parlé dans le pays? Tant qu'on a respecté, en plus, on entendait parler de ça dans la ville cabahitienne. Et également. Mais pas vraiment une motivation qui fait. Mis à part que le délégué départemental Noah, qui s'est bien Augustin de Gaulle, qui t'a promis quelques matériels et dans le commencement de la semaine, qui t'a expliqué à quelques paysans qui devaient recevoir le matériel agricole ça, dans Saint-Raphaël, et bien porté, qui ça référendum là? Et pour qui ça président veillant voulait changer la constitution, voulait pas payer en l'autre constitution? Et dans l'intervention, il y a des gens qui étaient campés carrément ont dit que ils ont parlé d'un référendum, mais il y a pilote qui te dit tout que il a marché sous même ligne, il a parlé d'un référendum dans le fait moi. Est-ce que nous jouons un peu pour faire moi parce que Gampil Louis m'a pourri qui fait comprendre que il a reporté. Donc en gros, c'est qu'on s'en bien saigné dans la ville cabahitien. Mais il faut dire tout du côté de l'opposition. Pas gain opposition qui prend position ferme contre le référendum là. Mis à part l'autre jour et jusqu'à date pas vraiment gain en manifestation de l'opposition locale pour t'avoir dit qu'on ça pas un référendum bien que gain quelques militants tant coup quand sont fait et tant coup vieux papa par exemple comme ça sur réseaux sociaux très actifs. Et il a pris des positions contre le référendum que il a projeté pour moi et pour faire moi. Mais à cause de ce qui s'est passé, il y a ensemble de têtes de pont ça dans l'opposition locale là, qui regroupe à travers une plateforme et ils ont convoqué la presse pour avoir un point de presse, ils ont gagné sept nommés et ils ont clairement déclaré que. Il n'y a pas dans affaire référendum et mot d'ordre là c'est couper tête et bouler caille. Dans quelle zone ça a passé? Près de l'école Saint-Philomène, donc c'est dans la ville là. Qui groupe Mounsao? Groupe Mounsao c'est une série d'opposants à régime en place qui regroupe à travers une plateforme et qui te propose ça.
il y a plusieurs partis politiques, représentations, et plusieurs partis politiques et groupements politiques qui en dans qu'on retrouve en deux plateformes ça. Est-ce que en fait, vous souhaitez expliquer que c'est vrai que pas une manifestation, mais un ensemble de partis politiques, groupements qui ont même montré clairement qu'il n'y a pas de question référendum. Est-ce que bon côté pouvoir en place là ou senti bon travail de sensibilisation qu'a fait soit à travers médias traditionnels ou bien dans groupement yo, dans organisation de base yo, pour expliquer population qui ça référendum là et éviter pour qui ça de voter oui ou non. À ma connaissance, c'est le délégué départemental là qui était fond déplacé dans le commencement de semaine là. Et l'ité explique à quelques paysans dans Saint-Raphaël qui ça référendum là. Il y a tout une délégation de conseil président pour CAP qui a rencontré avec plusieurs entités dans la société. Il a rencontré avec des employés de l'État, d'autres responsables, d'autres j'ai entité dans la société civile, je suis avec toi. Et contrairement à une situation qu'on présente pour quelques conseils électoraux dans l'SPIA, mais ils ont été ensemble dans le coup de là et ils ont parlé pendant près d'une semaine. Ces conseils, ces trésoriers et conseil électoral provisoire qui étaient présidés des délégations. Ok. Mais au niveau population, qui ça au courant qui a fait ou pas au courant de rien qu'a fait en termes de sensibilisation sous référendum là? Pas à ma connaissance. Ok. Donc, je ne suis pas au courant. Qui est-ce? Hein? Il n'est pas au courant. Mais si référendum là, 2 mètres à 27, qui j'en pense vote l'embral le fait, est-ce que vous pensez le possible, moun yon a sorti pour y aller voter oui ou contre? Comment tendance et comment on sent ça et l'autre bon? Moi pas qu'à répondre question ça vraiment, mais j'ai grande peur dans pile monde qui a posé cette question qui ça 27 juin a porté. Est-ce que son jour il a dû prendre la rue, est-ce que son jour il pas a dû prendre la rue, grande interrogation. Mais mis à part station radio qui transmet différents débats que pouvoir en plaçant fait à travers Port-au-Prince, et pas vraiment une grande mobilisation ici dans ville d'Abaïtien et à Knes département. Le président est passé dans Saint-Raphaël, il t'explique sa référendum là et il est passé au Cap Tour, il t'explique sa référendum là et pour qui ça que il doit faire référendum. Délégué départemental là que Tavel dans commencement semaine là t'es profité pour t'avoir fait une série de rencontres à travers 19 communes département hein, pour capable expliquer qui sa référendum là. Mais ou pas ouais gen spot dans radio, ou pas ouais gen des monde qui prend radio, qui prend micro cap expliquer qui ça référendum là dans ville Cap-Haïtien. Gros déficit de communication. Gros déficit de communication. Très bien. OK, merci en plus Gérard Maximo. Merci Gary, merci à tous les amis qui t'a écouté, mais moi invité moi profiter invité auditeur yo pour capable si vous besoin qu'on va passer sous Cap-Haïtien, allez sous page Facebook moi Gérard Maximo ou bien sous Twitter, Instagram et puis on va ajouter toute information qui passer dans ville Cap-Haïtien dans ce département. Très bien. Merci à vous Maximo. D'accord. OK, monsieur au Cap-Haïtien. Ça passe. Non, c'est pas le même constat. Et tant qu'au Cap. D'accord, des côtés, on est dans quoi? Adouin, Zéphirin, puisque. Oui, Adouin, Zéphirin, éminence grise. Oui, c'est pouvoir. Hein? Éminence grise du pouvoir. Non, monsieur, non. C'est parce que l'émission est président. Oui, lui était confiné dans Port-au-Prince. Donc, les présidents sont dans la province, mais comme si intelligence et capacité, on doit gagner pour aider Jovenel à faire travail ça, ils ont confié à l'autre monde et eux-mêmes, ils ont été en dans pouvoir. Donc, ou n'est qui était délégué, qui était ministre intérieur, et qui c'est, m'avait dit, bras droit président, monsieur t'es doué mettre une machine sous pied pour m'envoyer, pour me gagner, je dis, un autre résultat. Donc, c'est encore échec et déficit de pouvoir à côté de beaucoup de Jovenel. C'est Jovenel qui a fait propagande, peut-être lui. L'autre négocié, c'est pas ça à régler. Et pas ça à régler. Et si vous permettez, je pense que c'est encore plus grave, même si
ou ta ka dou soti nan sud-est, nou pase Gonaïve genyen on jan ou senti opposition ayé. Et son zone qui toujou mouvementé. Contrairement à au Cap qui c'est deuxième ville pays hein, jusqu'à présent, nous te ka comprendre que dans l'autre commune qui dans zone nord, mais dans ville Cap haïtien pour pas sentir bon mouvement joueur Port-au-Prince par exemple. Oui, il est chauffé. Bizarre. Vous comprenez les c'est pas droit lui qui passe ça. C'est normalement Gary, ça qui passe Port-au-Prince là débat autour de tu as dit de grands éléments qui constituent. Bon, monsieur qui le dit. Vous devez faire la doute. Et Mathias suit. La commune. Non. Et Mathias suit. Cap bail président on leur sied de crédibilité de légitimité. Non, création d'espace, ne sera pas passé là. Pas une minute. Mon cher Soupe, mettre ma joue ton bagaille. C'est que ça m'a remarqué que travail ça que Mathias là, peut-être que je ne sais pas qu'on est comme un monde va le juger. Mais si c'est pour ça que vous allez le faire, qui est sur le référendum, moi je pense que monsieur Valéterre, monsieur fait tout ça. Allez, bon, si c'est là pour Mathias, je vais sur le référendum. Bon, pour lui-même. Par rapport à ça, le fait. N'est-ce que ça a exploité le pouvoir? Mathias. Yo la gueule à la bouche. Pas on est qui kembe Mathias. Al débrouille. Comme si l'autre n'est pas capable. Beaucoup nous voulons faire un référendum. Ou Gabriel Fortuné va dire pour dans le sud. Ouais. Monsieur. Non, on s'en plaisir, non. Regardez, ouais. Nous parlons d'aller dans la plateau central. Bon, nous pas garder pour nous. On a tourné sous bas. On a le web pour est-ce qui ça va passer dans le Mimbalet. Dans le plateau central, là, on garde pour nous. Et Lucien, lui, bonsoir. Boubou. Salut, bonsoir à toute équipe là, équipe Haïti Débat. Mon cher Lucien Louis, c'est avec un plus plaisir et avec terminé la émission ça après-midi. Mon cher Louis, bien content. Comment dire vous là quoi? Puissance FM. Puissance FM. Bout. Oui, Gary. Ok, dis-nous. Est-ce que le référendum n'est au palais de San Amimale? Effectivement, Gary et Pierre-Paul Charles, donc tout le monde dans des. Il y a parlé de question référendum dans mon balai. Et si m'a dit au référendum n'a pas parlé, puisque son bagage, son projet qui va aller à travers tout le pays, hein, mais et en gros, nous avons capable de dire pas gros pas gagner motivation et qui fait vraiment pour lui. Alors, et pouvoir exécutif, hein, et il a aimé faire référendum. Moi-même jusqu'à présent, je n'ai pas dit référendum n'a pas fait. Et à environ 2 semaines et demie, et pour en fait 27 juin arrivé, et mais pas une promotion qui fait pour lui. Quand on entend des liens, nous ouais, et sur les réseaux sociaux, et nous entendons sur Radio Scoop, nous entendons sur l'autre médiateur, et n'importe où, et à travers les médias, pas nous, dans la ville provinciale, il y a des émissions politiques qui font, et nous toujours fait débat, et sous question référendum. Nan. Mais et n'a pas dit n'a même pas balai on côté qui gagne en pile média et pas gagné et comme si m'ta dou spot publicitaire qui baille et dans radio yo et parce que ça pour comprendre Gary en tant que monde qui vit dans même balai dans ville province et yo tient négligé radio provincial et ça que me comprendre que de la gars il t'a plus compter sur reste pays et que capitale haïtienne non. Donc, et radio provinciaux, nous pas de publicité. Par exemple, radio puissance, nous avons radio RCFM et Kabul et émissions là, et l'autre média dans ce jeune homme. Pas du tout. Naturellement, radio panique FM tout, nous pas de publicité. Ok, mais je dis là, autorité qui là, qui représente le gouvernement dans ce jeune homme, et de monde qui toujours dit aussi proche. Et gouvernement et nous pas attendre nous pas voyer la seule chose nous avons un message qui est venu et pas équipe Moufette là on est dans Robinson Mazarin et qui te dit et même monsieur fait quoi aller rentrer là en d'Amérique mais en balais ça semble c'est de mouvement pour faire pour que vous planifiez et comment le référendum n'a fait dans mon balais c'est ça seulement nous attendons mais et question installation question mesures pour qui t'a dû prendre et pour en fait et le référendum n'a pas fait dans le même balai le référendum n'a pas parlé effectivement mais au niveau sécurité parce que quand même et pas de monde qui est garé nous connaît et son jour vraiment difficile et tant coup il y a des fois haïtien tout on a des balades difficiles et puis les joueurs arrivés
ou qu'on pas comprendre, mais et son bagage qui a difficile au niveau du département centre et pays d'Haïti, notamment Mirvalet, nous avons dit référendum n'a pas de préparation et qui fait pour lui. À moins que nous-mêmes, en tant que directeur média, journaliste dans la zone, et il y a des arrangements qui fait sans que nous ne connaissions. L'étape toujours difficile, on va faire l'étape 7 pour nous, pour la population, pour le peuple haïtien, un gros bagage comme ça, qui gagne environ combien 100 à 200 millions de dollars qui doit le faire. Et l'étape toujours difficile pour que nous ne parlions des activités, puisque nous connaissons déjà l'étape fait constitution 29 à 100 comme activité, élection et 91. Pas mal d'élections 87 qui dégagent pile monde dans réel va nous prendre comme ça dit activité et le gain activité ça yo et ou toujours un monde a fait discussion en bas de lumière tout côté à travers les rues dans toute ville mais n'a pas dit gari dans mes balais si m'a dit nous pas d'andil c'est menti mais en termes de préparation pas de préparation et qui fait et pour question changement référendum là quand il y a besoin de changer constitution 1987 là comment t'entends ça est-ce que vous êtes pour ou bien contre le référendum là allô Boubou, est-ce que vous êtes pour ou bien contre le référendum là m'a dit Mounio pour ou contre le référendum là et son logique lié et pas oublié chaque monde et chaque équipe yo et que c'est monde qui est en opposition, il y a des gens qui sont en opposition, qui sont en pouvoir, soit qui ont droit pour le référendum, non, et il y a des gens qui n'ont pas pour lui. Donc c'est le référendum en fait, nous avons gardé le jour 27 juin, c'est le jour lui-même qui va arriver, nous allons garder la rue en tant que journaliste, dans le bureau, côté de la rue, et donc nous allons suivre, nous allons connaître qui va voter, et qui va voter en masse. Et les deux comptes, nous allons connaître qui monde qui pour, qui monde qui compte. Mais pour le moment, c'est bon bagaille comme Zimdadou qui a chauffé dans la rue. Nous ne connaissons pas, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. C'est l'État, monsieur, nous ne connaissons pas. Comment il va le faire? Comment il va mettre des dispositifs de sécurité pour le référendum? Mais dans le moment où on a parlé à la GPPC, et nous avons parlé, pas de gros activité et pour question référendum. Mais il dit toujours parler. Vous comprenez? Moi-même, dans les émissions que je fais, sans que je babine sur l'autre sujet, nous tout prenons en direct pour question référendum. Deux émissions puissance tropicale, grand débat de sur Radio Puissance, moi-même avec journaliste James Thomas, nous mettons en direct, il y a toujours dit nous, il n'y a pas de référendum, mais et ça va empêcher que, ou bien deux mondes, ou trois mondes qui disent oui, il y a pour lui, puisque et question parlement, question sénateur, député Ambre, ça c'est une, non, mesure qui gagne la dernière, qui t'a capable de faire, et que il y a deux mondes qui t'a gagné, parce que, vous connaissez sénateur, et député, ils n'ont pas représenté et pays en bien, et c'est une mesure qui est capable de faire le référendum de marché. Mais on connaît à cause de pouvoir et cette cas-là, et monsieur le président Jovenel Moïse, donc en plus le monde va t'aimer, mais pour les amis même qui t'a organisé, parce que, et Mounio a toujours dit, depuis le président Moïse qui dit un bagaille, donc c'est bon bagaille qui peut aller en faveur des peuple haïtien. Ça, c'est tout genre de bagaille, ça. Qui cause que les référendums ont tout problème ça. Mais tout, et ça, que le monde nous parle avec eux, dit nous, bon, c'est un monde qui vous fait, et donc si Jovenel Moïse a fait lui, donc il n'y a pas aucun problème. Que le monde qui n'est pas d'accord pour Jovenel Moïse faire, c'est qu'on s'abat là, lui-même, lui est là, dans le balai, et quand on passe, là, on parle avec un monde, et on dit, qui ça comprend de référendum qui vient pour arriver sous paysan le 27 juin prochain, donc nous déjà dans le mois de juin, je veux dire qu'il a fait nous 4 juin. Et donc, nous avons quelques jours là pour référendum arriver. Est-ce que, en fait, donc ça, Gary, c'est la bonne question. Oui, question, monsieur. Bien, pas une question. Ok, ben moi, je vais poser une dernière question. Et vous attendez. Et moi, je connais Mibale, son ville de résistance, que l'y est. Et est-ce que, tendance là, où il a quitté le référendum, en fait? Mirvalet est une ville de résistance et qui est liée jusqu'à présent, résistance est toujours là. Et parce que il y a un groupe Moussek, il y a la Cour Dubaï, et il y a tout côté ça, qui, monsieur l'arrangé, et donc il y a des arrangements à faire, ou même qui sont des journalistes, et je ne sais pas qu'on est, pas qui connaît exactement qui s'est capable d'arranger. Mais, référendum, et si nous avons un pourcentage, Gary, c'est 90%. Pour le parfait, nous quittons 10% et pour le monde, tape organiser le référendum.
Maman. Bon. 90%. Bon. Et comme politique dynamique. Oui. Il y a 26 ans dans la vie. Merci en pile. Merci en pile. Ok. Merci, c'est un plaisir. C'était Lucien lui. Hein? Oui. Bon. 90% côté il est capable de faire. Oui, bon. Vous n'avez pas mal. Non, nous quittons. Parce qu'il a inversé à n'importe quel moment. Hein? Politique dynamique. Nous avons suivi. Bon. Mais en bah, tout cas, il non, y a plus de doute. Mais attendez, il y a plus de doute. Il y a inversé. Il faut au moins que on va on joue plus ou moins 90 sur 2 pour abdiquer. C'est nous, on n'est pas pour moi. Mon cher. À moins que. Mon baron, mon baron, si on a gardé pour nous. Et dans le pays de l'autre, de la commune de l'autre. La Servas. La Servas. Où est-ce que vous avez c'est qui est-ce Artus Jean-Marie. Artus Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir, Kapan. Bonsoir, Dali. Bonsoir avec tout le monde qui proposait panel la ça dans le ça pour journée jeudi, qui c'est vendredi 4 juin 2021. Très bien. Bien. On parlait sous question référendum. Expliquez à la population, à tout le monde qui attend l'émission ça, qui j'en ou constaté dossier référendum, non? Moun qui pour, moun qui compte, comment ça y est l'autre bon? C'est plaisir pour nous, fait que nous avons une possibilité pour nous capables de voir nous passer au bien de venir dans un style d'émission comme ça. Nous saluons tout le monde qui est sous panel là, nous saluons le monde qui est dans la cuisine, le monde qui permet de voir nous passer, nous saluons tout le monde, nous saluons toute la population haïtienne là, nous saluons aussi la redoute dans la diaspora. Donc, par mon côté, par nous, la commune Lascaux-Bas, commune qui est maîtrisée par l'État central là. Donc, en parlant de référendum, qui est en pile monde, la communauté haïtienne, principalement monde, la commune Lascaux-Bas, a connu vraiment qui ça qui est référendum, il n'y a pas eu référendum. Donc, parler de référendum, il n'y a pas comprendre pleinement, il n'y a pas comprendre moi, il n'y a pas comprendre qui ça qui a le fait le référendum. La commune Lascaux-Bas, côté nous-mêmes, nous avons fonctionné. Et est-ce que nous avons osé parler du référendum dans la commune ou bien est-ce qu'il y a une préparation qui a fait pour le référendum? C'est le plan administratif, mais par contre, si l'État, si l'État et communal, l'organe d'État, ou bien responsable commune, a fait une préparation, pas qu'à cette ou bien là, en façon différente, mais nous parlons de trois démarches qui a fait pour gagner ça, nous, le référendum fait dans la commune. Non, tenez-moi. Est-ce que dans la Lascaux-Bas, il y a un référendum qui a paré? Est-ce qu'on a un bureau? Est-ce qu'on a fait débat? Est-ce qu'on a un monde qui a allé à la porte de chaque monde pour parler, pour dire un référendum et expliquer le monde de la Lascaux-Bas pour la gomba qui a passé le 27? Non, généralement, pas de pièce bureau, pas de pièce mise en place de bureau, pas de bureau qui parle de ça, pas gagner pièce non tout qui vient dans la commune qui a vu parler de référendum. Pas gagner ça ni dans la bec communale, la bec là, nous parlons d'activité comme ça qui a réglé comme quoi, pas gagner monde qui a vu parler de monde communal de référendum, ou bien des préparations référendum qui a fait. Pas gagner ça au du tout. Oh, pas gagner ça. Mais est-ce que gagnent opposants qui au même pas d'accord question référendum non tant coup dans l'autre commune nous remarquer ça gagne l'autre commune côté que monde qui pas d'accord avec référendum yo levé camper et est-ce que gagne ça Lascaux-Bas comment ça est? Oui, Lascaux-Bas c'est monde qui complètement pas d'accord avec ça nous le référendum non. Tout d'abord gagne un groupe monde qui fait partie de l'opposition qui toujours attend qui est nous n'avons pas perdu pied pour venir organiser ou bien venir mettre des bureaux pour organiser les services de la commune. Et à chaque fois, tu as gagné, il y a un petit chichot qui dit, même les gens où tu as venu, tu as gagné un groupe opposant qui mettait la position, soit pour venir participer pour craser des bureaux ou bien quelqu'un pour venir exprimer volonté pour dire qu'il n'y a pas d'accord à ça nous le référendum. Parce que pour un pile monde qui a gagné une petite calcoration de référendum,
n'est pas d'accord avec l'équipe en place, d'abord qui n'a pas gagné légitimité, qui n'a pas gagné capacité pour ça, qui n'a pas gagné pouvoir pour capable organiser le référendum que nous connaissons constitution 87 la baille, qui fasse, qui moyen, qui est capable de moyen, pour gagner un groupe opposant, gagner un groupe d'opposition qui l'a. Mais bon côté pouvoir, monde qui est capable de vivre. Je suis dans le pouvoir là, je suis frustré. Même je même tout, je n'ai pas osé parler de référendum parce que je suis frustré. Alors après, comme la Caobas a été voté et en grande majorité, l'équipe qui est sous pouvoir là, l'équipe PHTK, malheureusement, qui a déçu la communauté là, puisque je n'ai pas joué une réponse à ça qui a été déjà. Je vote, c'est vrai, mais je n'ai pas joué rien. Je n'ai pas rien en termes d'infrastructure, je n'ai pas rien en termes de visite. A rappelé que le président République a passé à plusieurs reprises dans la commune, il n'a pas jamais campé. C'est seul autrefois, il y a un petit groupe pour me sentir plus que le monde qui peut voter là, c'est seul campé pour 10 minutes, pour barrer pour 10 de parole dans 10 minutes. Donc, c'est pas à intention pour décorer la commune de la Caoba. Donc, ça veut dire, la ça veut dire, Artus, ça veut dire, pas qu'il y a un référendum de la Caoba. Pas qu'il y a un référendum de la Caoba. Très bien, merci. Merci un peu, il était là, et après le tout à l'heure, et un peu plus tard, disons mieux, nous pouvons regarder pour nous, et ça va passer, monsieur, attendez, non. On va aller poser cette question. Non, on va poser cette question après. On quitte la question pour poser après. On a regardé pour nous, on a le bord de paix. Et Jostel, on veut, comment nous est? Allô, allô, Jostel? Ah non, je sais le tenir un téléphone, non. Où semble obtenir sur internet? Téléphone, vous mettez dans l'oreille. Il semble obtenir sur internet. Donc il est en retard. Jocel. Non, voilà, faites le téléphone. Parlez pas sur internet là, on va obtenir nous bien. Le téléphone, vous parlez. Sur téléphone, vous allez. Oui, allô, Gary. Ok, ouais, couloir bon. Mon salut Gary, mon salut tout fidèle auditeur Radio Scoop FM. Mon salut mon Bordeaux, mon Saint-Dinard, mon Adolphe, Bassemblé, Chanson, on s'affoule de la bombarde de l'IN. Mon salut mon Lapon de Paris, mon qui n'a 39 sections communales et qui n'a département nord-ouest là. Attendez, Jocelyne, c'est 4 par 4 liés, monsieur passé tout côté ça. Niet, ça veut dire nous parlons une analyse exhaustive de situation. Et Jostel, est-ce que vous parlez de référendum dans le département pour là? Bien. Bon, on connaît le département nord-ouest, non, plus précisément Jean-Abel, c'est du côté de l'Igolobo à TPP. Alors, ça veut dire que le département nord-ouest, là, qui est plusieurs projets qui sont censés focus sur le nord-ouest. Donc, pour question référendum dans le nord-ouest, c'est de dire le. L'obé n'a été prêté sur Jean-Abel, et après ça, pas gagné, nous, quand du cap marché, et soit dans la radio, ou bien cap pour parler avec nous, c'est dit, par l'assemblée, nous, vidéo qui s'est bloqué, nous, pas un exemplaire, document aucun côté, ou par contre, qui côté lié, ou par contre, qui est gagné, nous, par contre, qui s'accladé, ma part de centre-ville, alors nous, on a 11 espaces, on a dit 11 espaces, et côté que, on a dit, dans cette région, mais dans cette section communale, c'est plus mal. C'est-à-dire que c'est un référendum. Non, je dois nous dire trois dix ans, qui soit disant, et montrer le président, il a fait quelque chose. Bon, il a parlé de référendum, mais pour. Oui, alors, où là? Allô? C'est pour voir les oppositions en gagné. Moi, disons opportunité, parce que là, nous sommes dans le pouvoir. Nous, ensemble de nous, comme nous disons, tout va bien, et pourtant, on n'y est pas réglé. Donc, depuis là, si gagner à la vérité, gagner au président, gagner au premier ministre, le secrétaire d'État, le directeur général, gagner un délégué départemental, gagner des magistrats, des cas et des affects, donc, je dis, parole là, de dériver, dans le monde. Parole là, pas réglé? Non, mais pas arrivé, nous ne pas attendre, mais nous ne pas consacrer. Donc, les gens ont des activités, ils ont des réseaux sociaux, ils ont des référendums, ils ont des créativités. On ne va pas connaître. Et nous ne sommes pas en vérité.
prend 10 dans section communale là, 39 section communale nous sommes là. Prend 10 pour nous avoir 9 dans le monde, pas comme ça, nous sommes random. Mais au moins dans la ville Port de Paix, dans la zone côté, madame président sorti, ça où est fait, comment est le mouvement y est? Si référendum n'a le fait là demain, ou t'as voulu dire comme si vous pensez que vous avez voté non, ou bien vous n'avez pas voté du tout? Écoutez, c'est ça, monsieur Dion, c'est un échec total. C'est pour nous que nous voyons une position pour un plan sacré, nous avons dit qu'on le son. Les gens qui ont été réussis, les gens qui ont été ça, après, ils ont été dans Jovenel. Les gens qui ont été dans le département qui maîtrise tout gouvernement, tout pouvoir passé, ils ont toujours maîtrisé l'Ouest. Mais, le soir, les gens qui ont été dans le monde, ils ont été dans le par exemple, quand ils ont été dans le monde, ils ont été dans le Fatma, la centrale électrique, mon cher, mais c'est aussi quelqu'un qui fait au moins pour nous pas parler, pour nous au moins parler. Nous même nous n'est pas expliqué de nous rien du tout. Mais Comment vous gérez tout le monde, comment vous demandez les lieux, même problème telle zone, même problème telle localité, ensemble vous préparez un plan pour récupérer la nationale là. Une question république, pas de vous expliquer, pas de vous planifier le problème de l'Ida ici. Et c'est ça, vous avez le référendum là. Vous d'abord vous voyez qu'il y a planifié le référendum. C'est sûr que 27 de planifier là, vous ne pouvez pas garantir la tête parce que c'est une tape tête. Nous sommes des mises en place. Quand il vient d'ailleurs, vous savez que la communauté n'a pas de capable d'exemplaire. Il y a tel document. Pour moi, je suis conseillé de vous garder le bureau, de vous connaître. Est-ce que vous allez voter oui ou non? Parce que même si nous avons une position, et que c'est citoyen, une position solide, parce que nous avons une capacité à accéder à une version électronique. Mais un monde qui n'a pas un téléphone intelligent, pas un email. Qui ça vous connaît? Il y a seulement une vidéo, oui, non sans personne par radio pour expliquer ça que la même. Ok, même si, mon frère, même si Mounio ou souhaite expliquer que dans les communes, dans les sections communales, il n'y a pas qu'on est qui ça référendum nan yé, mais comme président république là et en pile plusieurs autres moun madame, il y a ce type de paix. Est-ce que ou, si vous avez fait en termes d'analyse, vous avez dit si référendum n'a fait, qui j'en ou est tendance là, est-ce que vous avez voté oui ou bien vous avez voté non? Le référendum, c'est pas son bagage qui fait depuis 1987, majorité, en plus le monde qui l'a eu, pas que la donne. En plus, parce que les populations sont très jeunes. Mais donc, pas que les gens qui ont fait le monde qui va voter non. Si nous n'avons pas très motivé pour dire, ils vont voter non pour ce référendum n'a pas passé. Mais en plus, nous n'avons pas de référendum la donne. C'est pas que des gros mobilisations qui sont. Nous n'avons pas sorti. Là, nous n'avons pas sorti la volonté. Dans zone non, soit le cas est noir fait, un magistrat, on donne des yeux, qui dans zone là, quand il saute, il a le voté, et bien toujours le président, ou bien toujours le sénateur. Donc, pour qu'on ait une participation très faible, malgré ça, c'est ça qu'on sait, on va aller. Mais le référendum, personne, vous avez en vérité que nous, l'entendons de nous, les réseaux sociaux, nous avons dit que nous, le référendum, non. Des gens qui ont testé, nous ont dit, il ne faut pas le voter candidat, ça ou pas, oui. Ça m'a pu entendre. Mais pourquoi le candidat ne peut pas le voter pour le référendum dans le monde? Comme dans un monde. Mais c'est un monde, mais pas comme un monde, c'est un sablé. Donc, aujourd'hui, là, si nous nous réveillons, son projet pour tous les citoyens, son document qui va être utile, génération future, et même ne pas prendre le temps, et puis, nous nous sommes la donne, nous montrons-nous, mobilisons-nous, soit on vient voter oui, ou bien on vient voter ou bien tout. Par contre, parce que nous n'avons pas partout dans le monde. Qui n'en violence, moi plus, moi même malgré ce moi même pas pour lui. C'est sûr que je ne suis pas pour lui, mais
Alors, même nous pas pour nous, pas pour nous, comme ça. Parce que pays, il y a un nouveau problème, constitution de l'université, là, ils sont source de stabilité. Mais nous disons source de stabilité, et pour pouvoir, et pour l'opposition, mais nous sommes qu'à Chita. Nous ne sommes pas ensemble, parce que le président Jovenel nous conduit à 9 mois, pays a été pour nous tout le temps, pays a été tout le temps, nous tout le monde. Donc, nous sommes capables de Chita, l'opposition Chita, pouvoir Chita regarder tout le monde pour nous. Tout à fait, maintenant, je joue à corps politique et on donne à corps politique ça pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour moi-même, en qualité d'économiste, constitution 87 ans, lui demande tout notre argent, lui demande tout notre ressources pour permettre de rentrer en application. Donc, même c'est sûr que le PACA a fait une vraie, parce que lui-même, il demande trop de ressources, trop de moyens. Donc, nous tous sommes d'accord que la constitution est un problème. Nous tous sommes d'accord. Et bien, si nous tous sommes d'accord, il faut que nous tous nous cachions ça ensemble pour nous dire que la constitution va nous être un problème, et bien nous moyens. C'est sûr que moi, nous, donc le bagage nous là-dedans, car beaucoup de pays, mais pendant que le bagage de pays, ça nous fait. Avec même constitution de l'université, qui vient tout le monde qui l'a eu, que c'est seulement sur lui. Donc, il y a des juristes qui disent, c'est sur notre constitution, c'est pas constitution qui a changé. Mais quel que soit ça, il y a une vidéo où on peut une loi, c'est politique-là, c'est le privé. De vous parler de nos principes, nos lois, qui disent, mais comment vous pouvez le bagage fait? D'ailleurs, monsieur, d'accord que. Nous cassons, et nous connaissons un accord politique qui vous permet peut-être l'opposition quand nous sommes des bagailles, la venue de la même tout pouvoir, nous ne doit pas trouver. Commission qui travaille la même, nous ne doit pas trouver. C'est des experts en position qui travaillent dans le couple. Mais ça n'a pas de l'âge en âge. Tout citoyen peut anticiper. Et puis nous sommes là pour que nous ayons même compte de quantité de l'argent de l'un côté. Donc nous pensons que si nous avons un bon bagaille, on a pris bon pour nous. Ok, je fais. Oui. Oui, oui. Ok, dernière question. Est-ce que vous pensez, qui j'en comprenne ça, malgré tout ça, Jovenel fait dans l'Ouest là, et puis Mounio pas motivé. Est-ce que ce problème de communication, est-ce que ce problème de représentant que pouvoir gagner dans le département, ou du moins, est-ce que ce Jovenel seulement qui peut-être dit, parler peut-être, et puis l'autre monde qui l'a eu, pas jamais dit rien pour le gouvernement, pour pouvoir. Trois raisons, Gary. Première raison, il n'y a pas quelqu'un qui compte Jovenel là, qui pas pour le référendum, mais qui est supposé dans la radio à faire propagande pour le référendum là. C'est de nous frustrer. Depuis pouvoir, si nous prenons le président, si nous montons, c'est de nous pas besoin, ou encore vous servir avec un petit débattu. Deuxième raison, parler une campagne de sensibilisation qui fait pour lui. Il ne va pas parler des problèmes de représentation, problèmes de représentation, on a dit pas rien dans tout le pays. Parce que nous avons parlé de tout le monde qui se parle là, c'est même problème. Donc, pour question de représentation, pour voir un ensemble de monde qui est dans le département, qui est représenté lui, qui est très compétent, que moi-même, on est en plus respect pour nous, mais pour on est ça au cabal, peut-être, nous allons avoir assez de moyens à la disposition pour faire travail là. Donc, je pense que. Nous n'y pas venu passer en revue tout ça y est fait en termes d'activité. Et c'est sûr que nous-mêmes d'accompagner, on réponse en nous présentant, si tu as une opposition, d'abord c'est pays là pour nous, monsieur. Moi-même, moi crois que nous avons une opposition, non, 3, 4, 5 ans, peut-être qu'à la pouvoir, c'est mon pays qui est en opposition. De toute façon, là, c'est ça. Pour nous finir, maintenant, la pouvoir, nous avons des problèmes. Côté que noir ou avec blanc, c'est toujours des problèmes. Mais notre chita autour des gens activités qui nous cercle de vérité. Cercle de vérité, côté que tout le monde a vérité. Blanc ne pas vrai dire noir ou en esclavage, noir ou dit, blanc ne pas vrai dire noir ou en esclavage, noir ou pas tuer blanc ou encore. Et puis, nous entendons, et il y a eu du côté de là. Je dis, moi, mandé pour l'opposition et le pouvoir. Pour chita, autour d'une table. Il n'y a pas besoin de prendre un monde qui va dire que c'est parce que vous chauffez, c'est parce que vous avez un job, c'est normal, si vous compétences, si vous qualifiez, c'est normal pour vous un job, et c'est dans le pays à même pour le travail. Donc, c'est pour chita. Chita pour les accords politiques qui vous fait réaliser le 7 février 2022. Parce que je viens là. Qui traite un homme fait, qui traite un homme pas fait, nous, elle a avancé vers une date qui n'est pas pour le pays. Donc, tout le monde qui est citoyen haïtien, tant qu'on, tout le monde qui est citoyen haïtien, tant qu'on garde le tout le monde qui est citoyen
haïtien, donc l'autre ami qui n'a mis quoi là. C'est pour nous tous, c'est tout le monde qui connaît, qui connaît, il n'y a pas de passeport de réserve, il connaît les haïtiens, il connaît même lorsqu'il y a la caille blanche. On visite à visiter tant qu'on tant qu'on a retourné dans la caillou et bien nous y aillons. Nous aussi dans ensemble. Nous avons Haïti avant tout. L'année maman nous malade, même si moi-même actuellement nous parions, et bien pour nous bailler maman nous la vie, sur nous chita sous table là, c'est qu'à payer l'argent, c'est qu'à garder pour permettre maman à pas mourir. Donc, monsieur Polissano, monsieur Pouvoir, Haïti c'est maman nous. Et pour nous chita, je veux parce que maman nous malade, pour nous dire maman nous, pour nous entendre sur comment la bain maman nous soit. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, monsieur, au deux pays.